Ouais. Bonjour à tous. Hello. On s'installe tranquillou. Le temps que j'envoie le tweet protocolaire. Je ne sais pas comment ça se passe. Waouh, il y a du monde. Il y a des gens qui sont là pour la pool party. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 5h33 du matin et donc ça continue sur Trash Talk comme d'habitude. On avait dit qu'on allait être avec vous sur ces playoffs 2022 et donc ça démarre très fort. Avec cette première nuit de playoffs 2022, ça y est, on va pouvoir rentrer dans les choses sérieuses. Il y a déjà eu des Game 1. Il y en a eu 4. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ou bonjour. Eh bien, ça dépend. Bonjour, évidemment, aux copains de YouTube qui nous regardent en replay. Et bonsoir aux héros et héroïnes qui sont encore dans le chat incroyable à 5h30 du matin pour discuter, évidemment, de nos amis les Warriors et des 3 autres équipes qui ont remporté leur Game 1 de ce samedi soir. Avant toute chose, évidemment, j'ai lu les commentaires. Il n'y aura pas de spoiler dans le titre de la vidéo, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Oui, quand même, je me lève, je reçois la notif, et vous avez dit que Trae Young, il a mis la clim à Cleveland. » J'ai compris, du coup, je vais mettre un truc bien bateau du genre « Récap de la nuit de playoff. » Comme ça, ce sera bien nul. Et si je vois d'autres commentaires comme ça, je remettrai des gros spoilers dans les titres. Dans tous les cas, on va pouvoir enchaîner. Bonsoir à toutes et à tous, ceux qui sont là, et qui sont donc des... J'ai pas envie de dire des vrais de vrais, mais ce sont ceux certainement qui se sont tapés les matchs de cette nuit. On est en sortie de matchs notamment de Golden State à domicile. C'était le match de la West Coast de cette nuit. On avait 3 autres qui étaient plutôt conférence Est, même si on avait 2 de l'Est. On a démarré à l'Ouest et on va y revenir notamment avec Dallas et Utah. Je suis étonné, il y a beaucoup beaucoup de monde quand même. Hein. Vous êtes plusieurs centaines à 5h30 du matin, c'est ça qui est bien. Dans tous les cas, si vous êtes en replay sur YouTube, eh bien sachez que tout au long des playoffs, je vais essayer d'être là un petit peu en react, en plein milieu de la nuit, parce que c'est comme ça qu'on vit des grands moments ensemble, et puis c'est un petit peu à chaud, ce qu'on aime bien faire. Et puis c'est aussi pour vous offrir le petit café du dimanche matin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit peu un récap de ce qui s'est passé cette nuit pour avoir toutes les informations présentées sur la table. Comme ça, vous allez bien pouvoir démarrer votre dimanche. Et puis ensuite, on pourra discuter évidemment avec toute la commune. Il y en a qui sont au Japon, je vois, pour qui il est midi ou peut-être minuit, mais je dirais plutôt midi là, si je suis bon en décalage horaire. Il y en a pour qui il est 4h30 du matin au Portugal et dans d'autres contrées du monde entier. Voilà, je vois qu'il y en a plein dans tous les sens, en direct de Montréal. C'est moins dur sur les horaires, je suis bien d'accord. 23h en Guadeloupe, vous êtes partout et il y a une seule passion qui nous rassemble, c'est celle de la NBA. Première nuit de playoff et ça y est, 4 résultats qui sont tombés. On a eu la victoire de Dallas, de Utah, excusez-moi, à Dallas. Salut mon cher T-Don Papa, il famoso patron de la TTFL. Salut mon cher Don Papa. On a victoire de Utah donc contre Dallas, 99-93. On va y revenir en détail. Memphis qui s'est incliné 130 à 117. On a eu Toronto qui s'est incliné contre Philadelphie 131 à 111. Et Denver qui a perdu contre Golden State 123 à 107. C'est ça en gros les 4 matchs de cette nuit. On va pouvoir justement rentrer dans le détail chronologique. On a commencé la soirée à Dallas. Je sais qu'il y en a plein qui ont regardé ce match. Il était à 19h. Et donc vous avez été nombreux à regarder notamment ce qui s'est passé. Je vais vous faire un petit point sur le box score. Je rappelle que les box scores sont aussi disponibles sur le site de Trash Talk. Donc on va vous montrer tout ça. Un match assez serré, notamment avec quelques belles performances. Regardez, je vous montre du côté de Dallas, on a eu des belles performances, notamment en l'absence de Luka Doncic, de la part de Spencer Dinwiddie, 22 points et 8 passes, Jalen Brunson, 24 points, 5 passes et 7 rebonds. Malheureusement, il y a eu des gros lancers de loupés et des gros tirs à 3 points de loupés. Vous voyez avec Spencer Dinwiddie notamment 10 sur 16 au lancer et 0 sur 4 à 3 points. On a d'autres garçons comme Josh Green qui n'ont pas pu sanctionner. Et pourtant, les Mavs étaient dans le coup pendant
très longtemps. Pourquoi ? Parce que à Utah, eh bien, on a tendu la joue et on a failli se faire tabasser sur un Game 1 qui était à leur portée. Pas de Luka Doncic, je le rappelle. On a eu un excellent Bojan Bogdanovic en première mi-temps qui a émis 20 de ses 26 points. On était en train de se foutre de la gueule de Donovan Mitchell qui n'arrivait pas à démarrer sa rencontre. Eh bien, dans le troisième quart-temps, il a fait sa spéciale. Je crois qu'il a mis 19 de ses 32 points dans cette période. Mais vous le voyez, 10 sur 29 au tir pour Donovan Mitchell, c'est pas top. Disons que ce sont 32 points qui sont pas forcément les 32 points les plus valuables auxquels on peut être habitué en play-off. À côté de ça, on a eu des garçons qui ont fait le boulot, notamment Mike Conley dans le Money Time avec 13 points et 6 passes. On a eu un gros shoot de Royce O'Neal, notamment ce sont ses 3 seuls points. Hein. Regardez, hein, il était à 0 sur 4 au tir et 0 sur 2 à 3 points. Il met le grand shoot qu'il fallait pour sceller le sort de la rencontre. Hein. Royce O'Neal, vous pouvez retrouver tous les highlights, notamment sur les réseaux sociaux et sur la chaîne de la NBA, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je sais qu'on va revenir sur un sujet. Je vois qu'il y en a plein qui le mettent évidemment dans le chat autour de Rudy Gobert. Mais c'est une victoire de Utah, donc à Dallas. Pas la plus rassurante. C'est un Game 1 qui vraiment s'est joué à peu de choses près. Hein. Dans le dernier quart-temps, on a Reggie Bullock qui ramène même à 3 points Dallas très très proche du Jazz. On se dit que Utah, qui nous a fait une fin de saison compliquée dans les Money Time, va peut-être craquer. Mais non, ça fait le principal, comme on l'a dit en direct avec Alex. Lorsqu'on a commenté le match entre Philly et Toronto, le plus important c'était les 3 points, comme dirait Zizou. Là, les tirs à 3 points ne sont pas rentrés, mais les 3 points de la victoire, ils sont là, avec donc une victoire dans le Game 1 pour le Jazz, qui va devoir nettement mieux jouer sur ce Game 2, qui aura lieu lundi soir. Je rappelle qu'au moment où je parle, pas d'update sur Luka Doncic, on ne sait pas s'il sera présent pour le Game 2, il est incertain, et on aura très certainement des updates dans la journée de ce dimanche. Alors, évidemment, je vais demander l'avis aux gens qui sont ici et à celles et ceux qui nous regardent en replay et qui ont peut-être vu le match de ce samedi soir, l'opening des playoffs. Le grand sujet autour du match de Utah à Dallas, c'est évidemment Rudy Gobert. Pourquoi ? Parce que Rudy, il a été encore déterminant défensivement. Hein. Il y a eu 17 rebonds, il y a eu 3 contres. Il a terrorisé les pénétrations de Spencer Dinwiddie et de tous les extérieurs de Dallas. Mais, 5 points, c'est pas une critique contre Rudy Gobert, c'est qu'il n'a tenté que un tir, 0 sur 1 au tir, 5 sur 6 au lancer, pas du tout de ballon dans les mimines de Rudy Gobert. Ça a vraiment été un sujet de discussion, et pas que en France. Sachez qu'aux États-Unis, pareil, il y en a qui se sont dit quand même, dans la raquette de Dallas, d'avoir un Rudy Gobert qui peut être nettement meilleur que les Dwight Powell, que les Maxi Kleber, etc., d'avoir un seul tir quand même tenté, c'est vraiment quelque chose de frustrant. Alors autant Utah aurait gagné très largement, on aurait pu du coup se dire « Oh allez, ce n'est qu'un détail du jeu », autant Utah n'a pas été rassurant et ils n'ont pas bombardé notamment certaines passes dans les airs pour Rudy Gobert qui était un petit peu mis de côté offensivement. Quoi. Un seul shoot malheureusement tenté en 35 minutes, ce n'est pas assez. Après, encore une fois, on est dans un contexte de victoire, donc ça va passer plutôt inaperçu. Et Rudy, d'ailleurs, s'est exprimé de manière très collective, comme d'habitude. Hein. Vous pouvez retrouver les propos de Rudy Gobert sur le compte Twitter de Tim McMahon de ESPN, le reporter américain, où Rudy dit, en effet, offensivement, bon, c'est vrai qu'un seul shoot, c'est pas tant que ça, mais c'est avant tout le collectif qui paie, et j'ai fait mon travail en défense, et l'attaque, le ballon se transmettait bien. Donc, pas mal d'honnêteté ou d'humilité, j'ai envie de dire, de la part de Rudy Gobert. Mais en parlant d'honnêteté, je pense qu'il doit bien être fâché avec le fait d'être aussi peu mis en avant en attaque. Je regarde un petit peu les commentaires. On me dit Mitchell, il le regarde même pas, c'est grave. 0% au shoot, on va lui niquer un peu son pourcentage là, oui. Alors, c'est vrai que Rudy n'est pas l'attaquant le plus extraordinaire de l'histoire, mais quand même. Hein, on avait débattu avec Alex en direct. Ok, c'est pas Hakeem Olajuwon au poste, Rudy Gobert, c'est pas la cible la plus dingue lorsqu'il reçoit la balle entre ses mains, mais quand même, provoquer des fautes, mettre des tomards, essayer d'avoir des lancers justement, ça peut être une option, et Utah devrait un peu plus y réfléchir, selon nous. Qu'est-ce que ça me dit un petit peu? Aucune cohésion d'équipe à Utah, c'est vrai qu'ils n'ont pas été rassurants sur ce Game 1. Bizarre parce que tout début de match, ça le cherchait dans la peinture, ça durait 3 minutes, puis plus rien du match. Ouais, en effet, ils ont essayé un petit peu, et puis après, des mauvais réflexes de redonner la balle à des Jordan Clarkson et compagnie pour essayer de créer sur l'extérieur. Mais bon, on va pour le moment donner victoire à Utah, et donc le principal est géré, mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup plus voir
que cette stat qu'on a balancée, donc 5 points à 5 sur 6 au lancer, avec un seul tir tenté et très très peu de ballons dans les mains de Rudy Gobert. Pour le moment, ça ira, on surveillera cette situation dans la nuit de lundi à mardi, puisque c'est le Game 2 qui aura lieu à Dallas. On va surveiller ça et on va surveiller évidemment la situation physique de monsieur Luka Doncic. Je prends une petite lampée et on va devoir enchaîner peut-être sur ce qui était le meilleur match de cette première soirée de playoff. Je ne sais pas s'il y en a qui sont ici en direct et qui ont vu, notamment, si vous êtes en replay, l'incroyable Memphis contre Minnesota. Minnesota qui a fait le travail, très clairement. Oui, quel match, il y en a qui me le disent. Ils l'ont vu. Eh bien, vous en avez de la chance parce que moi aussi, j'étais devant. Quel kiff de fou furieux ce match. On est peut-être en train de vivre les prémices d'une série extraordinaire entre les Grizzlies et les Wolves. Minnesota s'est pointé au FedEx Forum et ils ont tout simplement fait le travail en tant que patron. Alors, évidemment, plusieurs points à devoir noter. On en reparlera avec Alex et vous pouvez d'ailleurs aller consulter toutes les analyses sur le site de Trash Talk. 41 points encaissés par les Grizzlies dans le premier quart-temps, ça a donné le ton et la confiance pour des garçons qui ont été extraordinaires. Comment ne pas parler de monsieur Anthony Edwards, premier match de playoff en carrière, 36 points, 6 rebonds, 2 rebonds, 6 passes, 12 sur 23 au tir. 4 sur 11 à 3 points, 8 sur 8 au lancer, c'était tout simplement le mal alpha sur le parquet. C'est lui qui a notamment dit « Les garçons, moi je n'ai pas peur ». Au milieu de garçons comme Patrick Beverley, Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell et compagnie qui ont beaucoup plus d'XP. C'était Anthony Edwards, le grand garçon. Il l'avait déjà montré pendant le Play-In Tournament. Là, il a été encore une fois exceptionnel dans les choix de shoot, dans les separation moves, dans tous ces moments où Memphis faisait un push et où lui a été énorme, même en défense, il a apporté. À ses côtés, Karl-Anthony Towns, qui a fait passer une soirée cauchemardesque à Steven Adams, 29 points, 13 rebonds, 3 passes, un poster sur Jaren Jackson Jr. que je vous invite à aller revoir, pareil sur tous les réseaux sociaux, c'était le Karl-Anthony Towns All-Star, celui qu'on voulait voir notamment au Play-In Tournament. Son match était mauvais, je pense qu'il a lu notamment les critiques qui ont été faites à son encontre, et il a joué à un niveau exceptionnel, 11 sur 18 au tir, 2 sur 5 à 3 points, et toutes les grandes actions qu'il fallait, pareil, quelques belles aides défensives, et un excellent travail de Chris Finch, le coach de Minnesota, pour notamment varier sur ses rotations au sein de son équipe. On est habitué à voir notamment du Jared Vanderbilt pour apporter défensivement, et alors là, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu sur le banc de Minnesota deux grands acteurs, notamment Jaden McDaniels et Malik Beasley. Malik Beasley, vous le voyez, 23 points sortis de banc à 4 sur 10 du parking, c'était hyper important. Et alors McDaniels, quel chantier il nous a fait en fin de match. Des contres, des interceptions, des rotations, des retours en défense, du point, du hustle. Il était partout à la hauteur de son potentiel, hein, celui dont on parlait avant la saison. Hein. Il était considéré comme intouchable dans le Minnesota. Et en effet, certains le mettent, McDaniels, très très bien utilisé. C'est vrai, il a été absolument énorme pour finir le travail. Et donc les Wolves se sont imposés et ont vraiment tapé du poing sur la table. On a vu notamment le banc debout pendant tout le money time, et pas du tout de frayeur. On a pu même compter sur, même si D'Angelo Russell n'a pas été solide pendant le match, il a rentré son gros 3 bien clutch, il a essayé de distribuer le jeu. C'était vraiment pas du tout un match d'équipe qui n'était pas en playoff, quoi. Ils ont donné la sensation d'être une équipe qui connaissait déjà ce type de contexte, alors qu'en face, eh bien Memphis, on va en parler rapidement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les gens qui sont sur le chat. Memphis manque de discipline, manque de défense, manque de discipline, quelques erreurs vraiment qui là peuvent être attribuées à la jeunesse, et même Taylor Jenkins qui va devoir faire des ajustements. Pourquoi? Parce que on a vu, je vous suis depuis Los Angeles, un plaisir de faire le débrief avec vous après avoir maté cette journée. Eh ben, formidable, que des bisous où que vous soyez sur Terre. Moi je suis avec vous ici en tout cas à Paris, il est 5h45. Memphis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que même si Ja Morant, 32 points, 4 rebonds et 8 passes a été bon, il a laissé des lancers clutch sur la ligne. On a vu aussi Steven Adams en souffrance, 0 points et 3 rebonds en 24 minutes. Il n'a pas pu contribuer efficacement face à Karl-Anthony Towns. On a vu aussi certaines maladresses du côté de Jaren Jackson Jr. à 3 points, 0 sur 5. Desmond Bane à 3 points, 3 sur 8. Et
des grands soucis de faute, notamment pour Jaren Jackson Jr. qui fait quand même 7 contres, donc il essayait de bien protéger son arceau, mais malheureusement, lorsqu'on a enchaîné les fautes offensives, les petites fautes, etc., eh bien, a accumulé au fur et à mesure les indisciplines. Memphis s'est tiré une balle dans le pied. Pourtant, dans le schéma de la rencontre, on voit Minnesota prendre le lead, et puis petit à petit, Memphis grappiller des alley-oops pour Zaire Williams, un excellent Tyus Jones à la distribution, 7 points ici passent, pour essayer justement de calmer le jeu, Kyle Anderson, Brandon Clark, tout le monde s'y met, mais lorsque ça a recollé au score, Minnesota n'a pas du tout paniqué, et ce sont les Grizzlies qui se sont fait punir, parce qu'on parle quand même d'une des meilleures défenses de la NBA cette saison, qui encaisse 130 points pour son opening à domicile. Donc une vraie douche froide pour les Grizzlies et pour leur public qui espérait faire la teuf pour ce grand retour en tant que favori dans une série de playoffs. L'année dernière, ils étaient retournés en phase finale, mais c'était face au Jazz au premier tour et c'était vraiment anecdotique. Là, il y a du boulot et donc il va falloir faire mieux que juste galoper et essayer de faire des highlights. Je schématise évidemment, mais c'est un petit peu ce qui est ressorti de ce Game 1 où on n'a plus trop revu la discipline et le côté très sérieux et solide de ce groupe de jeunes qui a vraiment fait kiffer toute la saison régulière 2021-2022. Je regarde un petit peu les avis. M'ont surpris les Wolves, franchement, ils ont joué solide, attention. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a été un gros match, beaucoup de rythme dans ce match et les Wolves gagnent quand même, donc oui, le rythme ne suffira pas, tout à fait. Ils se sont bien ajustés. C'est vrai que le ressenti, je vous invite à regarder le replay de cette rencontre parce que c'est une superbe rencontre de basket, c'est Minnesota qui, encore une fois, ne donne pas du tout l'impression d'être comme des nouveaux qui débarquent ou des gens qui sont en déplacement. Si vous connaissez rien au basket et que vous regardez cette rencontre, on avait l'impression que Memphis, c'était une bande de gamins qui débarquaient et que Minnesota, c'était la 7e fois de suite qu'ils allaient en playoff et qu'ils allaient tout simplement apprendre la vie aux Grizzlies. Attention, on le rappelle et je le rappellerai souvent avec Alex et toute la team de Trash Talk, pas de conclusion hâtive sur les Game 1. L'histoire des playoffs nous rappelle que les Game 1, ce sont des premiers matchs où on se renifle et ensuite les ajustements. Beaucoup d'ajustements à attendre du côté de Memphis et notamment défensivement après cette petite défaite. Je remonte juste évidemment les grands temps forts, merci Laxing et tous ceux qui balancent des subs dans tous les sens. Je vois que vous êtes plus de 600, les anciens et anciennes, où que vous soyez à faire kiffer votre passion du basket et de la NBA. Moi ça me fait bien plaisir et ça me donne envie de lancer des lives comme ça en impro à 5h30 du matin. Anthony Edwards donc, qui est très clairement la star de cette première nuit de playoff. On reparlera après de Jordan Poole, on reparlera après d'autres garçons aussi du côté de Philadelphie, notamment un meneur qui s'appelle Tyrese Maxey, mais Anthony Edwards, vraiment pour son premier match de playoff, 36 points dans une atmosphère aussi tendue, c'est vrai que c'était exceptionnel, et notamment voilà le travail qu'il a fait avec Karl Anthony Towns, ce sont des patrons, voilà le terme il a été mis, c'est vraiment des garçons qui se sont pointés au FedEx Forum et qui ont fait le nécessaire. Donc chapeau à Minnesota, comme vous pouvez le voir sur la rythmique de la soirée, premier match, Dallas à domicile, défaite, Utah s'impose, Memphis, deuxième match de la soirée, donc premier match à domicile, défaite, c'est Minnesota qui s'impose. Qu'est-ce que ça a donné pour Philadelphie qui accueillait Toronto? Malheureusement, spoiler, l'inverse, on a changé de ton au fur et à mesure que la soirée a commencé, disons que les équipes qui sont à domicile ont été un peu plus taquins, je bois une petite lampée, et on va justement enchaîner. T'es un monstre à être là à 6h du matin pour le meilleur sport du monde. Et bien vous aussi, vous êtes des monstres à être là. C'est formidable. Si j'étais seul, ça ne servira à rien. On enchaîne à Philadelphie. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce match? On l'a notamment commenté en direct avec Alex. Victoire 131-111. Alors, score final, plus 20. Ressenti, plus 40. No disrespect envers Toronto, mais ça a été une nuit cauchemardesque. Je préfère être très clair tout de suite avec les copains du Canada. C'était très très dur. Et il y a peut-être des fans de Toronto qui se réveillent ce dimanche et se disent « Ah bon, cauchemardesque, mais à tel point ?» On va devoir malheureusement rentrer dans les détails. Non, on l'a commenté sur YouTube, le match. Avec Alex, c'était entre minuit et 3h du matin. Rentrons dans les détails de cette rencontre. Je parlerai de Philly après, mais Toronto. Pourquoi est-ce que pour Toronto, ça a été un massacre? Parce que pour Toronto, ça a été une véritable douche. Ça a été une douche pour notamment monsieur Fred Van Fleet, qui certes, dans les pourcentages, a été là, mais 6 fautes pour lui. On a eu 6 fautes pour Chris Boucher. On a eu blessure pour Thaddeus Young. Et surtout,
Et là, vraiment, ça fait très mal. C'est cette photo. Scotty Barnes qui s'est blessé à la cheville. On était en deuxième période. Merci The Baccarat pour le sub. C'est vraiment une des nouvelles les plus tristes de cette première nuit de playoff. C'est la blessure de Scotty Barnes qui avait l'air de vraiment souffrir. Je ne vous montre pas les autres images en détail, mais en gros, Scotty Barnes a voulu se mettre en travers de la route de Joel Embiid, si je ne dis pas de bêtises. Et sa cheville se fait marcher dessus par Joel Embiid. Je vous rappelle que Joel Embiid, c'est à peu près 130 kg lancé de plein fouet comme ça sur votre cheville. Ça peut faire assez mal. Et donc, on a vu Scotty Barnes quitter le terrain et ne pas pouvoir mettre du tout de poids sur sa cheville. Alors, au moment où je vous parle, une update très simple de la part d'Adrian Wojnarowski d'ESPN. Les rayons X n'ont rien décelé de grave. Et il y aura, au niveau protocolaire, comme d'habitude, une IRM réalisée ce dimanche et des analyses approfondies pour savoir quelle sera la durée d'indisponibilité de Scotty Barnes. Mais vu comment il était en sortie, c'est peut-être le premier et dernier match qu'on voit de Scotty Barnes sur ses playoffs. C'est horrible, je n'espère pas, mais ce genre de blessure, ça peut faire très 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 mal. On appelle ça des entorses à la cheville. Ça peut être plus ou moins à des grades élevés. Et là, ça avait l'air quand même particulièrement sale. Donc, pour Toronto, tu as ton rookie phénomène qui se blesse. Déjà, ça c'est super dur. On a Thaddeus Young qui se blesse. Et ça, pareil, il n'avait pas l'air non plus en tip-top forme lorsqu'il a quitté les siens. Derrière, il y a beaucoup de garçons qui ont galéré. Regardez Gary Trent, 2 sur 11 au tir. Il n'a pas du tout existé dans la rencontre. On a eu des trous d'air monumentaux de la part des Raptors qui ont encaissé, regardez, 35 et 34. Bah, j'ai pas fait de bac S, mais je peux vous dire que ça fait 69. Et donc 69 points encaissés en première période, c'était beaucoup trop. Philadelphie a tout simplement terminé la première mi-temps avec 0 balle perdue. C'était la première fois dans l'histoire de la franchise de Philadelphie qu'ils avaient réalisé ça en playoff. Une mi-temps entière avec 0 balle perdue. Ça veut dire que tu te balades en permanence. Et donc, c'est là qu'on en vient à Philadelphie. Bon, alors pour les fans de Philly, je ne sais pas s'il y a des fans de Philly dans ce chat ou pour les gens qui sont en replay, mais là, ça bombe le torse. Je pense que vous pouvez, avant que je rentre dans les détails. Peut-être l'équipe la plus impressionnante de cette première nuit de playoff. C'était les Philadelphia Warriors. Voilà, tout à fait, bon jeu de mots. Philly a vraiment été beaucoup trop dominant dans tous les aspects du jeu. Déjà, regardez-moi ce 5 majeur. Tobias Harris, exceptionnel. 26 points, 6 rebonds, 6 passes. Des pourcentages somptueux. Et une défense de fer sur Pascal Siakam. Ensuite, Joel Embiid, pas son meilleur match, 19 points et 15 rebonds. Mais un petit contre, ici ou là, de la provocation de lancer pour essayer d'enfoncer les intérieurs de Toronto. Ça, c'était bien joué. James Harden, 22 points, 14 passes. Pas les meilleurs pourcentages au tir. Mais alors, il y a eu quelques passages de James Harden qu'on a commenté en direct, notamment dans le troisième quart-temps. De la passe, magnifique pour Tyrese Maxey. Du drive, du step back à 3 points. C'est le Harden qui régale. Il a été parfait. Et malgré les efforts de tous ces garçons, la plateforme, je veux dire, la scène principale, elle est laissée à monsieur Tyrese Maxey. 38 points pour son premier match de ses playoffs 2022. 14 sur 21 au tir, 5 sur 8 à 3 points, 4 rebonds, 2 passes, 0 balle perdue. 38 points dès le Game 1 face aux Raptors. Il a été magique. Il n'y a pas d'autre mot. Il était tout simplement magique à regarder. On a commencé à balancer du Kyrie Irving en comparaison. Un rythme idéal. Il y a du N1, des grosses fautes, il rentre ses shoots. Le public était totalement debout sur le moindre de ses moves. Il a été tout simplement le meilleur joueur des Sixers alors qu'il joue avec Tobias Harris, James Harden et Joel Embiid. Et c'est ce qui a permis notamment de faire cette différence. C'est pour celles et ceux qui ont vu ce match, ou pour qui ne l'ont pas vu, à ce moment-là je vous explique, ces périodes durant lesquelles Philly, et donc Doc Rivers, tend la joue. Et ce que je veux dire par tendre la joue, c'est... On va sortir James Harden, on va sortir Joel Embiid et on va donner quelques minutes à Tyrese Maxey avec quelques garçons pour essayer de tenir le score pendant que les patrons se reposent. Eh bien, tu parles. Au lieu que le score soit maintenu, ça a explosé parce que Tyrese Maxey, il a mis 21 points dans le troisième quart-temps, si je ne dis pas de bêtises. Il prenait des shoots à 3 points, les yeux fermés, que de la ficelle. Il allait sur une des lancers, il sanctionnait. Et c'est ce qui a permis, notamment à Philly, de créer cet écart. C'est que tu n'as même pas besoin d'un grand Embiid pour exploser Toronto. Tu as eu un très bon James Harden. Le 5 majeur a été exceptionnel. Et résultat, quand vous avez une équipe, regardez là,
Regardez ça là, je vais vous montrer juste en détail. Regardez ces merveilles. 16 sur 32 à 3 points. 29 sur 34 au lancer franc. En équipe, vous faites 29 passes décisives pour 4 balles perdues. C'est la Dream Team de 92 à Barcelone. Non mais vraiment, lorsqu'on est dans des tels pourcentages et autant de facilités offensives, il n'y a rien à faire. Vous pouvez avoir les meilleures défenses au monde lorsqu'on est sur un nuage comme ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'incliner et espérer revenir au Game 2. Donc, Philly était sur un nuage, ça aurait pu être bien plus que 131 points, mais ils se sont calmés au finish. Et c'était tout simplement la teuf au Wells Fargo Center. Belle victoire, victoire très large de la première à la dernière minute. On espère que Toronto va pouvoir revenir dans cette série. Elle est longue, hein. Il faut quand même jouer un Game 2 et ensuite aller du côté de Toronto où ils vont être déterminés. Mais dans l'ordre, on attend premièrement des nouvelles sur Scotty Barnes. À la cheville, on touche du bois, hein. On espère qu'il va revenir très très vite. Et on attend que Nick Nurse fasse des ajustements. Parce que là, Precious Achiuwa et Chris Boucher qui se font manger par Embiid, ou alors tu viens doubler et derrière il y a des Tyrese Maxey et d'autres garçons qui sont ouverts à 3 points et qui sanctionnent, ça peut aller tellement rapide dans cette série qu'il va falloir que le coach de Toronto trouve les solutions. Alors je sais pas si vous en avez dans le chat. Le nombre de balles perdues des Sixers tellement propre. Ben oui, 4 seulement en playoff. Je veux dire, c'est pas normal. C'était vraiment une balade. En solution potentielle pour Toronto, on a parlé de essayer de couvrir différemment Joel Embiid. Compter sur le fait qu'un joueur te sanctionne et non pas 4. Parce que là, c'était Harden, Embiid, Maxey et Tobias Harris. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Achiuwa, Durant, Anderson, bien sûr. Bah oui, parce que Precious Achiuwa, on l'a vu passer de Kevin Durant à Ryan Anderson, c'était un peu compliqué. Avoir un pivot, déjà, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué, mais pas de pivot pour tenir dans la raquette, là, ils vont se faire tabasser. Toronto, si ça continue comme ça. En tous les cas, le Game 2 sera à surveiller de très très près. Parce que là, Philadelphie a envoyé la plus grosse patate. C'est vraiment, en termes d'image, une patate dans la bouche. Défaite des Raptors, blessure de Scotty Barnes et des incertitudes au niveau psychologique mental. Quoi. C'est-à-dire que Fred Van Fleet, il l'a dit après la rencontre, il dit on n'était pas perdu, c'est juste qu'on s'est perdu dans la rencontre. C'est bien au moins de l'affirmer. Maintenant, on attend nettement mieux de la part de Toronto au Game 2 qui aura lieu en début de semaine. Tyrese Maxey, donc, dont je remontre les statistiques puisque c'est vraiment l'un des grands performants de cette première soirée de playoff avec Anthony Edwards notamment, hein, on laisse Donovan Mitchell de côté. Salut à celles et ceux qui rejoignent maintenant pendant qu'on fait le récap de cette soirée de NBA. On va terminer évidemment avec nos amis de San Francisco. Yeah, yeah, yeah. Les fans des Warriors sont en transe. Pourquoi? Parce que pour le premier match des Warriors en playoff dans le Chase Center. Et oui, la dernière fois qu'on les avait vus tous ensemble, les Lascar, c'était notamment à l'Oracle Arena. Et là, on pouvait bien se marrer à l'époque tellement il y avait des fessées. Pool party, Golden State l'emporte face à Denver sur ce Game 1 du premier tour des playoffs 114 à 94. Alors dans la physionomie du match, vous connaissez les classiques. Troisième quart-temps. Bienvenue à Golden State. Ça avait assez bien démarré pour Denver qui tient dans la rencontre. Puis ensuite, en fin de mi-temps, on a eu un petit run de Golden State et c'est vraiment parti en freestyle justement dans le troisième quart où là, vraiment la distance a été créée. Je commence du côté de Denver. Après une petite lampée. Du côté de Denver, Nikola Jokic, même s'il fait ses stats, 25 points, 10 rebonds et 6 passes, 3 interceptions et 1 contre, il a été assez bien contenu, notamment par Draymond Green et par toute l'armada intérieure de Golden State. On a vu... oui, pardon, c'est 123-107 d'ailleurs. Je vais regarder. J'avais l'impression que c'était un autre score. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oui, hop, j'ai fait refresh. Excusez-moi. C'est 123-107. Eh ben, vous voyez, il suffit de faire refresh sur les scores de Trash Talk et on a tout ce qu'il faut. Donc, comme je le disais, on a cette victoire de Golden State à domicile. Et donc, au niveau statistique, si Nikola Jokic a fait ses chiffres, on a quand même eu une assez bonne défense de la part de Draymond Green et des autres copains de Steve Kerr. On a eu quoi d'autre du côté de Denver? On a eu un Aaron Gordon qui, dans du trash-talking avec Klay Thompson, ne s'en est pas sorti. Hein. Un match pas tip-top de la part de l'ailier. On avait pourtant un peu de scoring de la part de Will Barton. Monte Morris qui essayait de faire le travail avec Bones Island, mais c'est trop dur. Trop dur en termes de profondeur d'effectif entre celle de Denver hein, qui est
bah, qui est pas assez forte. Hein. La profondeur de l'effectif de Mike Malone, on le sait, sans Jamal Murray et Michael Porter Jr., c'est trop compliqué. Et donc, il y a un moment où ça craque. Et alors, en face, comment dire ? Est-ce que vous connaissez déjà ce garçon ? Alors, vous allez me dire, c'est pas de lui dont on a envie de parler en premier, Stephen Curry. Il était là, il n'a pas été incroyable, mais c'était surtout le retour de Steph, puisqu'il n'avait pas joué depuis la mi-mars, hein, blessé contre Boston. On a retrouvé Stephen Curry, qui n'était même pas titulaire. Il était remplaçant. Et pourquoi est-ce que vous voulez être titulaire quand vous avez cet homme ? Monsieur Jordan Poole, qui a été exceptionnel pour Golden State, regardez-moi ça. 30 points, 9 sur 13 au tir, 5 sur 7 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, impeccable. Il a mis le feu au Chase Center, il a été énorme dans toutes ses décisions. Des N1 en pénétration, des 3 points en première intention, des caviars pour les Klay Thompson qui font ensuite des kick-outs pour les Draymond Green. C'était tout simplement un Splash Brother numéro 3. On a pu avoir un Klay Thompson très bon en première mi-temps avec quelques flèches. Vous connaissez les classiques, Klay Thompson dès le premier quart, il y a 3 bombes à 3 points qui rentrent. Stephen Curry rentre en jeu, pas non plus énorme, vous le voyez, hein, 5 sur 13 au tir, 3 sur 6 à 3 points, mais l'impact de Steph n'était pas non plus immense. Par contre, quand vous avez Jordan Poole qui est comme ça, et quand vous avez Draymond Green qui est comme ça, 12 points, 6 rebonds, 9 passes, 3 contre, une défense de tous les instants, l'orchestration de cette attaque de Golden State, eh ben, il n'y a pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire. Andrew Wiggins, impeccable, 16 points et 9 rebonds en toute discrétion. Le bon travail de Kevin Looney pour essayer de tenir face à la baraque MVP Nikola Jokic, c'était tout simplement la pool party. Hein. Vous allez entendre cette phrase tout au long du dimanche parce que Jordan Poole était merveilleux. Et pour lui, c'était son premier match de playoff. C'était son premier match de playoff. Certains en parlaient notamment pendant le match, notamment Doris Burke qui était au commentaire avec Mark Jones, si je dis pas de bêtises. Le fait que Jordan Poole, qui connaît quand même les joueurs des Warriors depuis quelques temps, arrêtez pas de discuter de ce premier match de playoff avec les autres joueurs, avec les Iguodala, avec les Curry, avec les Draymond, avec les Looney, avec les Thompson. Et il disait, qu'est-ce que je peux avoir comme conseil ? Ben, on peut dire qu'il s'est bien préparé, parce que Game 1, de tes playoffs, 30 points, formidable. Il rejoint, je crois, Will Chamberlain dans l'histoire de la franchise de Golden State, dans les plus belles perfs pour une première de playoff. C'est donc une victoire très aisée pour Golden State, qui, tout comme Philadelphie, a envoyé un message très très sérieux, et c'est le suivant, on n'est pas là pour trier les lentilles, on veut que ça aille vite, et qu'on enfonce dès que possible Denver. Les Nuggets vont eux devoir s'ajuster, hein, quand même, parce qu'on a Mike Malone en face et son staff qui vont avoir un gros moment de réflexion ce dimanche, et qui vont devoir aborder le Game 2 avec un bien meilleur jeu collectif, que ce soit en attaque comme en défense. Mais donc pour Golden State, le travail est fait. On va surveiller de près le préchauffage de Steph. Hein. Vous voyez, je vous remets ces stats-là. Il a joué que 22 minutes. Steve Kerr avait annoncé qu'il allait être limité dans son temps de jeu pour sa première. Hein. Normal, hein. Il n'a pas joué depuis un mois. On ne va pas commencer à appuyer sur l'accélérateur. Mitch Richmond aussi, apparemment, en effet, que Jordan Poole a rejoint dans l'histoire des Warriors. Et en tous les cas, c'est parfaitement géré pour les Warriors qui envoie aussi un message à la concurrence. Attention, on n'est pas là pour traîner. Nous sommes les Warriors au complet. Du Big 3, Curry, Clay, Draymond, avec tous les Lascars qu'il y a autour, hein, les role-players, les tueurs à gages, tout ça dirigé par Mike Brown et Steve Kerr. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Il ne faut pas tout de suite annoncer Phoenix qui va jusqu'en finale NBA. Ils sont certes très très forts, mais Golden State a envie, justement, que ces playoffs 2022 aient aussi une petite consonance californienne. J'ai envie de dire. Voilà dans tous les cas pour les 4 matchs de cette nuit. Je vous remets donc les scores en principal ici. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk, il y a tout ce qu'il faut avec les articles qui ont été pondus pendant la nuit en termes d'analyse et de highlights. Victoire de Utah donc sur ce Game 1 99 à 93. Victoire de Minnesota 130 à 117 sur le parquet des Grizzlies. Victoire de Philadelphie à domicile 131 à 111, une véritable claque des Sixers. Et victoire de Golden State 123 à 107 avec un très très bon travail autour de monsieur Jordan Poole. Voilà pour cette première nuit, j'ai envie de dire. Je vais juste faire un petit rappel. Est-ce que je peux faire ça juste en direct ? Donnez-moi juste 2 secondes pour que je puisse faire ça bien. Parce que je crois que j'avais tweeté ça il y a quelques heures. Est-ce que Twitter est bien fait ? Est-ce que si je mets Trash Talk FR et que je mets Suns et que je mets 21h30 ? Est-ce qu'il va me trouver le bon tweet ? Oui.
Tada! Ça, c'était le programme de ce samedi. Je rappelle que ce dimanche, on va enchaîner avec quelques belles affiches. 19h ce dimanche, on ne commentera pas de match en direct, mais moi, je serai là pour envoyer plein de bêtises sur Twitter et on aura plein d'articles qui seront disponibles sur le site de Trash Talk. 19h, Miami contre Atlanta. C'est un très, très gros match attendu à la FTX Arena ou l'American Airlines Arena pour celles et ceux qui connaissent Miami depuis longtemps. On va surveiller ça de très près. 21h30, le main event Celtics-Nets avec donc KD et Kyrie en mission à Boston. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'info, on a vu Ben Simmons commencer aussi à préchauffer dans les coulisses des Nets hein, avec quelques échauffements et des tomards. Donc, à suivre. Ça a été annoncé qu'il aimerait revenir en cours de série pour démarrer sa saison. Minuit 30, on enchaînera dans cette bataille de voisins entre les Bucks et les Bulls. Et on terminera à 3h du matin avec les Suns qui vont démarrer leur playoff face aux Pelicans. Voilà. Trash talk aussi pas polyvalent que Jordan Poole. Dans une même soirée, tu as du YouTube, du Twitter, du Twitch et de l'analyse sur le site. Eh oui, t'as même du Instagram, t'as même du TikTok, du tout ce que tu veux. Mais c'est ça quand c'est la passion. Que voulez-vous que je vous dise, on ne compte pas les efforts, c'est fait avec amour, surtout quand on se retrouve à 6h10 du matin pour parler de NBA. Je vais prendre juste une ou deux petites questions pour finir, notamment là sur le chat, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens, évidemment pour celles et ceux qui vont soit continuer leur journée, soit aller se coucher, je vous fais des gros bisous, je prends juste deux, trois questions. Tes impressions après cette première nuit, mes premières impressions, c'est que bah, déjà, il ne faut pas se baser sur les Game 1, donc on va attendre le Game 2 pour voir les ajustements, mais mes premières impressions, c'est que je crois qu'on avait parlé dans le Free Flow Science Fiction et notamment dans la preview de Minnesota-Memphis, attention aux garçons qui deviennent légendaires en playoff. On a vu Devin Booker et Trae Young faire des premiers playoffs de zinzin l'année dernière. Attention à Anthony Edwards, qui a toujours montré une grosse confiance et qui n'a pas du tout donné l'impression que cette scène est beaucoup trop brillante pour lui. Il est prêt. Donc attention, j'ai hâte d'avoir les ajustements de Memphis, mais Anthony Edwards, il n'est pas là pour trier les lentilles, très clairement. Donc ça, c'est ma plus grosse impression. Et puis aussi, le sentiment de domination des Sixers, qui était sur un nuage, mais à confirmer. Est-ce que si Atlanta gagne demain, tu te rases la barbe? Non, je n'ai pas prévu ça. On avait fait le pari avec Antoine Griezmann l'année dernière. Je laisserai la moustache si Atlanta bat Miami au premier tour. Tiens, voilà, allez hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite question? Un petit live en sortie de nuit de taf avec le petit déj, tu régales. Eh ben, formidable. Bon courage à ceux qui vont bosser d'ailleurs ce dimanche. Hein. Est-ce que le Heat est-il vraiment en capacité de sortir de l'Est? Oui, et ils ont d'ailleurs une très belle route, le Heat. Parce que, entre guillemets, tu affrontes Atlanta en playoff au premier tour. Oh, faut les éliminer. Tu affrontes Philadelphie, Toronto, le vainqueur en demi-finale. C'est peut-être un peu mieux que Milwaukee-Boston, on va pas se mentir. En tout cas, si on se base sur la saison régulière. Et après, tu es en finale de conférence. Je ne les mets pas de facto, Miami. Mais la route est quand même assez propre. Donc, il faut l'utiliser. Est-ce que les Celtics peuvent s'en sortir sans Rob Williams? Eh ben, on va le vérifier dès le Game 1. Est-ce que je dors avant ou après les matchs? Je dors après la saison NBA. Au vu des premiers matchs de Philly et Raptors, c'est quoi tes pronos maintenant? Non, je reste sur ce que je viens de dire, pas de conclusion hâtive sur les Game 1. Souvenez-vous de tout ce qui se passe. Les Lakers sont affrontés les Suns dernière, il y avait 2-1 au bout de 3 matchs. Et vous savez comment ça s'est fini. En finale NBA, Phoenix menait 2-0 contre Milwaukee. Et vous avez vu comment ça s'est fini. Donc pas de conclusion hâtive, même si c'est tentant. On va suivre les ajustements dès le Game 2. Est-ce que Memphis ça fait peur un peu? Quand même non. On attend les ajustements. Je vais le répéter souvent, c'est normal. Hein. Après, c'est les playoffs qui reviennent, donc souvent, on est un petit peu à cran dès qu'il y a un game. Mais c'est une longue série. Hein. Il faut être le premier à 4 victoires. Beaucoup d'équipes championnes ont perdu leur game 1. Ça arrive, hein. San Antonio avait déjà vécu ça. Est-ce que tu vois un sweep lors de ce premier tour? Je me prononcerai notamment en sortie de premier week-end, parce que je crois qu'avec Alex, on espérait voir une grosse domination des Bucks face aux Bulls. J'espère aussi que Chicago va tenir dans la série, mais À voir aussi l'absence longue durée de Capella. Miami peut tout à fait mettre un sweep. Et puis les Suns aussi face aux Pelicans. Faudra vérifier tout ça demain. Allez, je prends encore deux questions et après je vous laisse. Est-ce qu'à cette heure-là, il faut renommer le live à les tartines? C'est une très très bonne suggestion et un magnifique titre. Je vais le noter et s'il y a quoi que ce soit, on te filera les copyrights Sugar Kawhi Leonard. Magnifique cette idée. Je prends une dernière question. Allez hop,
Warriors contender au titre, bah oui, bien évidemment. Et pour terminer, qui revient le premier, Zion Williamson ou Ben Simmons? Je pense que ce sera Monsieur Ben Simmons et il le fera très certainement en cours de série face à nos amis de Boston, Game 1, ce dimanche. Donc je vous remets les affiches à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. On sera devant ces rencontres, elles ne seront pas commentées sur la chaîne YouTube Trash Talk, mais il y aura un live tweet et il y aura plein d'articles sur votre site préféré. Du coup, moi je vais vous laisser tranquillou, c'était le petit point récap de cette première soirée de playoff. La suite, vous savez très bien ce qui va se passer. Déjà ceux qui vont se coucher, moi je vais me reposer aussi un petit peu, je vous fais plein de bisous. Reposez-vous, reprenez un petit peu vos esprits après tout ce qui vient de se passer, on va se retrouver dans quelques heures pour une nouvelle soirée de playoff. Celles et ceux qui vont démarrer leur journée, eh bien, je vous souhaite un merveilleux dimanche. Merci comme d'hab à Léonce à la prod. On se retrouve, que ce soit sur la chaîne YouTube de Trash Talk ou sur les réseaux sociaux et sur le site, pour plein d'autres matchs. C'est le premier week-end de playoff et donc c'est de la folie furieuse. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux dimanche de Pâques, que vous soyez en famille ou non. On se retrouve très très vite. Peace. À demain ou à tout à l'heure. Enfin bref, vous m'avez compris.